BFM TV, il est 8h moins 10. On dit souvent que la société française a besoin de héros. Elle s'en est trouvé un ce week-end en la personne de Mamoudou Gassama, qui est avec nous ce matin dans Première Édition. Mamoudou a sauvé un enfant de 4 ans en escaladant à main nue la façade d'un immeuble du 18e arrondissement de Paris samedi soir. Et à vrai dire, on ne se lasse pas de revoir ces images, Christophe. Eh bien non, on ne s'en lasse pas. Parce que 4 étages, on se dit, Mamoudou, vous avez pris des risques considérables. Vous n'avez absolument pas hésité lorsque vous avez vu ce petit garçon pendu? Non, non, je n'ai pas hésité. Vous saviez que vous aviez la force dans les bras pour monter jusqu'au 4e? Si, si. Et à ce moment-là, est-ce que vous dites, je prends un risque, mais tant pis, j'y vais? Si, parce que j'ai vu, je n'ai pas pensé rien de moi. Là, j'ai vu, un enfant de 4 ans, il est dans cette situation. Donc, je n'ai rien pensé. Voilà, j'ai pensé de le sauver et Dieu merci, je l'ai sauvé. Voilà. Lorsque vous arrivez là, tout près de l'enfant, il vous dit quelque chose, l'enfant? Il n'a rien dit avec moi. Quand je le prends, je lui demande, j'ai dit pourquoi tu as fait ça? Il n'a pas parlé. C'est une bêtise. Voilà, il n'a pas parlé après. Et donc, là, vous le prenez, c'est ça? Et vous le remettez de l'autre côté de la barrière? De l'autre côté, si. Et après, là, j'imagine que vous réalisez ce que vous avez fait. Vous voyez le vide devant vous, vous vous dites... Dans l'appartement, c'est là que ça m'est arrivé mal, les antennes tremblaient. Dans l'appartement, il y avait l'appartement, personne. Si. Quand on était avec les policiers, voilà. Mamoudou, vous savez, vous allez dans 2 heures à l'Élysée. Alors on va aller tout de suite à l'Élysée, rejoindre notre envoyé spécial Igor Saïri. Le président de la République, Igor, a tenu à recevoir Mamoudou et sa famille, puisque son grand frère est là, on va l'entendre dans quelques instants. Quels sont les arguments de la présidence? Shoshen, Amishpat 266.1. Les chrétiens doivent être abusés. Baba Koma 113b. Il est permis d'abuser un goy. Ou encore en Shoshen et Mishpat 156.5, la richesse de la Koun doit être regardée comme la propriété commune et appartient au premier qui s'en empare. Un doit prétendre qu'il est chrétien pour tromper les chrétiens si cela est possible. Yoredea 157.2, si un peut tromper les adorateurs d'étoiles en prétendant être l'un d'entre eux, qu'il le fasse. Un a le droit de pratiquer l'usure sur un chrétien. Abou Dazara 159.1, il est permis de pratiquer l'usure sur les apostats qui tombent en idolâtrie. Un peut mentir et se parjurer pour perdre un chrétien. Baba Koma 113a, le nom de Dieu n'est point profané quand le goy ignore que le a menti. On doit louer, dit encore le Talmud, celui qui peut s'affranchir des ennemis. Rabbin Sheskia demande comment les combattons. Par ruse, tu leur feras la guerre. Citation des Proverbes 24.6. La ruse et les tricheries, dès que cela est possible, on doit les combattre sans relâche jusqu'à restauration de l'ordre. De cette façon, nous aurons la satisfaction de nous libérer de leurs joug et de les dominer. Chers amis auditeurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition des dossiers de Monsieur K. Un petit mot tout d'abord pratique, je vous invite s'il vous plaît à partager, à mettre un pouce bleu également sur la version YouTube de cette émission. Abonnez-vous aussi et puis n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube Orage d'Acier, likez, partagez, abonnez-vous, appuyez sur la chaîne de notification pour ne rater aucune nouvelle publication. Je voudrais assigner à cette émission, je parle là de la chaîne YouTube, un objectif de 10 000 vues sur cette émission, donc s'il vous plaît, partagez-la. De même, je voudrais remercier le Bard, le remercier parce qu'il est l'auteur et l'interprète des bandes sonores d'Orage d'Acier, comme des dossiers de Monsieur K. Hein, vous pouvez le retrouver sur son compte SoundCloud/LeBard. Vous pourrez retrouver l'ensemble de ses créations originales. Je voudrais également remercier la technique, sans qui, évidemment, cette émission ne serait pas possible. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir d'un épineux dossier, celui des prescriptions contre les gentils, contre les goïms, dans les livres talmudiques. Prescription contre le Christ d'abord, contre les chrétiens. Cette loi, c'est le Talmud. Le titre de cette émission est « Le Talmud dévoilé ».
Pour aborder ce dossier, nous allons nous référer à un document d'une grande qualité historique et documentaire. En effet, c'est un livre écrit par un rabbin dissident qui a abjuré la religion juive pour se convertir au christianisme et devenir prêtre de l'Église catholique, apostolique et romaine. Il était maître théologien et professeur d'hébreu à l'Université ecclésiastique impériale de l'Église catholique de Saint-Pétersbourg. Son nom, c'est Révérend Pranaitis. Ce document, imprimé en 1892 en Russie impériale, avant la révolution bolchévique, est un document précieux par la qualité de son auteur d'abord, parce qu'il était parfaitement qualifié pour nous entretenir de ce sujet, le Talmud dévoilé, ou les enseignements rabbiniques secrets concernant les chrétiens. Lors de sa parution, le présent livre a reçu l'imprimature de l'archevêque catholique, Mgr Kozlowski. Qu'est-ce qu'un imprimature ? Eh bien, simplement, cela veut dire que l'archevêque Kozlowski a jugé en toute autorité que ce livre ne présentait rien de contraire ni à la foi ni à la morale chrétienne. En particulier, pour ce qui concerne la haine ou l'injustice à l'égard des juifs, tant il est vrai que le chrétien ne doit haïr personne. On verra que si la haine est interdite aux chrétiens, il en va autrement des talmudistes, et que souvent cette haine est non seulement un droit, mais également un devoir religieux. Dans un premier temps, je vous propose de nous arrêter sur les enseignements permis ou prescrits par les livres talmudiques, au sujet du Christ et des chrétiens. Puis dans un second temps, de nous pencher sur les préceptes, c'est-à-dire les indications d'attitude, de comportement à adopter envers les chrétiens, les maximes pratiques à adopter dans les relations avec les chrétiens dans tous les secteurs de l'activité humaine, le commerce, le prêt d'argent, l'emploi, le voisinage, mais aussi le vol, le viol, le meurtre, comme nous allons le voir. Ce que le Talmud enseigne de notre Seigneur Jésus-Christ et de sa mère la Vierge Marie. De nombreux passages du Talmud font référence à la conception, à la naissance, aux enseignements, à la vie et à la mort de Jésus-Christ. De nombreuses expressions servent à le désigner. Par exemple, on l'appelle l'homme, ou Péloni, un certain, ou le fils du charpentier, ou encore celui qui fut pendu. Comme le mot Yehoshua veut dire sauveur, il n'est pour ainsi dire jamais employé dans les livres talmudiques. Il est souvent abrégé en Yeshu, ce qui malicieusement renvoie à l'acronyme des mots Imarch, Chameau, Vésikne, puisse son nom et son souvenir être à jamais oubliés. Mais aussi à une abréviation de Yeshu, qui renvoie au mot menteur et à abomination. Le Talmud enseigne que Jésus était un bâtard et qu'il fut conçu pendant les menstruations de sa mère, qu'il était un idiot, un conjurateur, un séducteur, qu'il a été crucifié, donc pendu, mais également qu'il est enterré en enfer et qu'il a été élevé en idole par ses disciples. Ainsi, je peux vous renvoyer par exemple à la référence Kala 1b16b ou à Sanhédrin 67a. La Vierge Marie, quant à elle, est appelée Charia, c'est-à-dire étron ou excrément. Mais les livres talmudiques disent encore de la Mère de Dieu qu'elle est Stada, c'est-à-dire une prostituée, une putain, Dieu me pardonne. Elle aurait quitté son mari et commis l'adultère avec un légionnaire romain, un certain Pandira ou Pantera. Ainsi, on trouve dans le livre Shabbat le fils de Stada, le fils de Pandira ou de Pantera. Comme le rappelle d'ailleurs en son temps le saint Damascène, saint Jean Damascène, le grand saint père de l'Église, dans ses généalogies de Jésus-Christ, il rappelle ses offenses faites à notre Seigneur. Ben Stada, ou le fils de pute, ne fait pas de doute sur la façon dont il est interprété désignant Jésus de Nazareth, même s'ils essayent souvent de dissimuler de qui il s'agit, de peur que les chrétiens ne vengent l'honneur de Dieu. Jésus est dit en effet être un séducteur du peuple, un démagogue. Les évangiles rapportent, bon, parce que dans le chapitre Matthieu 27, verset 63, que les qualifient Jésus de séducteur, et il continue de le faire jusqu'à ce jour. Dans Sanhédrin, par exemple, 107b, Jésus a séduit, corrompu et détruit Israël. Il l'appelle aussi celui qui fut pendu. En effet, il considère que, en raison de son impiété et de ses crimes, finalement, il a souffert une mort ignominieuse et a été pendu sur une croix, la veille de la Pâque, précise-t-il. Donc il n'y a pas d'erreur possible sur l'identité de la personne visée, il s'agit bien de Jésus de Nazareth. Et dans le livre infâme, intitulé Taldosh Yeshu, le Sauveur est ainsi accusé d'user du nom de Dieu, l'imprononçable tétragrammaton IVHV,
pour faire des tours de magie. Mais Jésus également est enterré en enfer, je vous le disais en introduction de ce passage. Dans Zohar 3, 282, on apprend que Jésus est mort comme une bête, qu'il est enterré dans une décharge où l'on jette les cadavres des chiens et des ânes, et où les fils d'Ésaü, c'est-à-dire les chrétiens, et d'Ishmaël, c'est-à-dire les musulmans, ainsi que Jésus et Mahomet eux-mêmes, incirconcis et impurs, comme des chiens morts, sont enterrés. Ailleurs, il est dit que Jésus cuit dans une cuve d'excréments pour l'éternité en enfer. Le Talmud dit de la croix qu'elle est une idole et des chrétiens que ce sont des idolâtres. Ainsi, ils emploient les mots tselem pour dire image, qui est évidemment interdite dans le judaïsme, ou bien kogba, qui désigne l'étoile en raison de du rayonnement que font les traits de la croix, et qu'il là aussi renvoie à une signification ambiguë, étoile étant aussi une idole des temps anciens. Donc c'est une façon de désigner la croix comme une idole. Ou encore l'expression pesila qui renvoie à la sculpture, à l'idole. Ainsi, on trouve dans les livres Orach Chaim 113.8 ou dans le Yoré Dae 150.2, je vous en donne un exemple. Il est dit: il n'est pas permis de s'incliner ou d'ôter son chapeau devant des princes ou des prêtres qui portent une croix sur leurs vêtements comme il est de coutume. Il faut prendre garde cependant de ne pas être remarqué en manquant de le faire. Par exemple, on peut jeter à terre une pièce de monnaie et se pencher pour la ramasser sur leur passage. De cette façon, c'est permis de s'incliner ou d'ôter son chapeau. Mais continuons notre exploration. Les enseignements du Talmud sur les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ sont là aussi très éloquents. Selon le Talmud, un séducteur et un idolâtre ne pouvaient enseigner que des choses fausses, des idioties, des hérésies et des choses irréalisables. Ainsi, dans le livre Avodah Zarah 6a, il est dit qu'un Nazaréen, un chrétien, est celui qui suit les fausses doctrines de l'homme qui lui a appris à prier le premier jour après le sabbat, c'est-à-dire le dimanche. Les chrétiens sont appelés Nazrim, ou disciples du Nazaréen, mais aussi par les mots employés pour désigner tous les non-juifs, tels que Avodah Zarah, Akum, Obde Elilim, Minin, Nokrim, Elim, Amé Aretz, Goïm, Apikorosim ou Koutrim. Maïmonide, dans son Pesset 78c, écrit: qu'il soit dit des chrétiens qui suivent Jésus, même s'ils diffèrent entre eux dans leurs enseignements, qu'ils sont tous des idolâtres. Akum est un mot dont l'acronyme des initiales désigne en réalité ce qui sont les adorateurs des étoiles et des planètes. Ainsi étaient désignés du temps des Hébreux, des anciens Hébreux, les païens qui vivaient tout autour d'Israël et qui manquaient de toute vraie connaissance de Dieu. Mais c'est sous ce nom d'Akum que sont maintenant désignés les chrétiens, nous dit le révérend Pranaitis. Je vous rappelle, on est en 1892. On le trouve par exemple dans de nombreuses occurrences, telles que Onash Shaim, par exemple, 113.8. Ceux qui usent d'une croix sont appelés Akum. Ou dans Yoré Dea, 148.5-12, ceux qui célèbrent les fêtes de Noël et du jour de l'an sont appelés adorateurs des étoiles et des planètes. Donc il n'y a absolument aucun doute là-dessus lorsque les talmudistes pourtant se défendent que les expressions dans le Talmud puissent être hostiles ou dépréciatives, péjoratives à l'égard des chrétiens, ils mentent. Ils utilisent également, pour désigner les chrétiens, le mot de Obde Elilim, serviteur des idoles, synonyme d'Akum, ou Minim, qui veut dire hérétique. Ceux qui possèdent un évangile sont appelés hérétiques. Dans Shabbat, par exemple, 116a, le rabbin Meir appelle les livres des Minines les Aren Gilayan, c'est-à-dire les livres iniques, parce qu'il les appelle les évangiles, écrit-il. Rome est appelée Édom, elle est le royaume des Édomites. Ainsi, le rabbin Béchaï, dans Kad Akenash 20a, dit: sont appelés Édomites ceux qui font avec leurs doigts le signe ici et là, c'est-à-dire le signe de la croix. Ils sont également appelés Goy, ou Goïm au pluriel, et Goya pour la forme au féminin. Les idolâtres sont tous appelés Goïm. Dans des éditions plus récentes du Talmud, on est, je vous le rappelle, en 1890, le mot Goïm est intentionnellement évité, et d'autres mots pour désigner les gentils lui sont préférés. Il est bien connu, le mot Goïm désigne les chrétiens, au milieu desquels ils vivent. Le plus souvent, ils prétendent que c'est une expression innocente. C'est faux.
Ainsi, dans Shachem Amishpat, est employé dans un sens extrêmement péjoratif le terme de goïm. Ainsi est-il écrit, les traîtres et les épicuriens, les apostats, sont pires que les goïm. Les chrétiens sont également appelés dans ces écrits Bessar Vedam, qui veut dire chair et sang. Hommes qui sont charnels, destinés à la perdition et n'ont aucune communion avec Dieu. Les chrétiens sont bien considérés comme chair et sang, nous le savons par leur livre de prière où il est écrit « Quiconque croise un chrétien sage peut dire « Béni soit le Seigneur qui dispense sa sagesse à la chair et au sang », etc. » Ce que le Talmud enseigne des chrétiens. À partir du moment où Jésus est dit être un magicien, un idolâtre, un hérétique, on imagine aisément comment ils tiennent en mépris ses disciples. En réalité, il n'y a rien de plus abominable que ce qu'ils disent des chrétiens. Ils disent des chrétiens que ce sont des idolâtres, le pire genre d'être, bien pire que les musulmans, des menteurs, des fornicateurs, des animaux impurs, qu'ils sont comme la poussière, qu'ils ne méritent pas le nom d'humain, qu'ils sont des bêtes à forme humaine, qu'ils méritent d'être nommés des bêtes, des vaches, des ânes, des porcs, des chiens, qu'ils sont pires que des chiens, qu'ils sont d'origine diabolique, que leurs âmes viennent du diable et qu'ils s'en retourneront en enfer après la mort. Les musulmans, en effet, eux, sont appelés ismaélites et jamais idolâtres. Maïmonide, dans Ikot Maekalot, chapitre 9, dit « Il n'est pas permis de boire le vin des chrétiens qui sont des idolâtres. Ils sont aussi dits des meurtriers. » Dans Abodah Zara 22a, il est écrit « Il n'est pas permis de s'associer avec les gentils, car ils versent le sang. » De même, dans Yoredora 153.2, un Israélite ne doit point se mêler aux Akounes, donc aux chrétiens, parce qu'ils versent le sang. Dans Abodah Zara toujours 25b, il est écrit « Si un goy se joint à vous sur la route, vous devez marcher à sa droite, de façon que si le gentil élève sa main droite pour vous frapper, vous puissiez lever votre main droite afin d'arrêter le coup de sa main. » On voit le niveau de crainte et de haine implémenté dans le subconscient par ces histoires de gentils, homicides et antisémites. Plus loin, nous apprenons que les chrétiens sont des fornicateurs. Abodah Zara 15b, il est écrit « On ne doit point laisser d'animaux de sexe masculin dans leurs étables avec leurs hommes, ni d'animaux de sexe féminin avec leurs femmes. Combien plus il faut veiller à ne point laisser d'animaux femelles en compagnie de leurs hommes ou de sexe masculin avec leurs femmes, ni laisser de brebis à la garde de leurs bergers, ni avoir de relations avec eux d'aucune sorte, ni laisser d'enfants à leurs soins afin d'apprendre à lire ou aucun autre métier. » Un peu plus loin, en 22a, toujours sur Abodah Zara, on a l'explication du pourquoi il ne faut pas laisser des animaux de sexe féminin en présence des femmes. En effet, dit-il, le bétail dans leurs étables, les animaux ne doivent pas être laissés près des goïms parce qu'ils sont suspectés d'avoir des relations sexuelles avec les bêtes. Les femmes ne doivent point les approcher parce qu'ils sont sursexualisés. Et pourquoi ne doit-on pas laisser d'animaux femelles à la garde de leurs femmes, me demanderez-vous? Eh bien, toujours dans Abodah Zara 22b, on apprend « parce qu'ils vont dans la maison de leur voisin pour commettre l'adultère avec la femme. Et si la voisine n'est pas là, ils forniquent avec les brebis dans l'étable, en lieu et place. Et parfois même, si elles sont chez elles, ils forniquent avec les brebis malgré tout, parce qu'ils préfèrent forniquer avec des animaux, car ils préfèrent la brebis du que leur propre femme. Pour les mêmes raisons, on ne doit confier ni les brebis à des bergers gentils, ni les enfants à des éducateurs. Les goïms, disent-ils aussi, sont impurs, parce qu'ils mangent des aliments impurs, Shabbat 145b, parce qu'ils n'ont pas été purifiés du péché originel sur le mont Sinaï, Abodah Zara 22b, et également aussi parce que ils sont parmi la liste de toutes les choses impures, telles que le chien, l'âne, les peuples de la terre, les chrétiens, les chameaux, les porcs, les chevaux et les lépreux. Les chrétiens sont comme des bêtes. Kéritou 6b, page 78, les chiens sont appelés hommes, mais les goïms ne sont pas appelés des hommes. Midrash Talitio, follicule 22, 5d, Dieu les a créés avec une forme humaine pour la gloire des mais Akoun, donc les païens, les chrétiens, les adorateurs des étoiles et des planètes, c'est-à-dire les chrétiens, ont été créés pour le seul usage d'être des serviteurs jour et nuit. Le grand Rashi écrit « Un chien vaut plus qu'un okri, c'est-à-dire un Akoum, un goïm,
dans son commentaire du chapitre 14, verset 21 du Deutéronome. Et il nous accuse de nouveau de forniquer avec des bêtes et de nous reproduire comme des bêtes. Ainsi, dans Sanhédrin 74b, Tosefot, il est dit « Les rapports sexuels d'un goy sont comme ceux d'une bête. Le mariage chrétien n'est pas un mariage. Kiddushim 3b, on lit. Ils ne peuvent contracter de mariage. » Ou Ebenezer 44.8, si un contracte un mariage avec une akoum, une chrétienne, ou avec sa servante, ce mariage est nul. Ou encore, dans le Zohar 2.64b, si seuls les idolâtres avaient des relations sexuelles, le monde cesserait d'exister. De cette façon, nous savons que les ne doivent point en céder à ces infâmes voleurs, car ils se répandent en trop grand nombre, il nous sera impossible de continuer d'exister par leur faute, car ils se reproduisent comme des bêtes. Là encore, donc, ça, c'est dans le Zohar. Accusation plus grave encore. La tribu des élus accuse les chrétiens d'être du diable, d'être d'une origine infernale, etc. Principalement du fait de leur incirconcision. Ainsi, Zohar 1, 131a, leurs âmes proviennent du côté impur. Ou Zohar 1, 28. Les peuples idolâtres de la terre sont enfants de l'ancien serpent qui a séduit Ève. Bon, là, les choses ne peuvent être plus claires. Il nous attribue une généalogie diabolique. Ou encore, Emek Umelch, où il est écrit en 25D, les âmes des impurs viennent de Kelipa, qui est la mort et l'ombre de la mort. Leurs âmes retournent en enfer après la mort. Rosé Asmana 17A, les hérétiques, les traîtres et les épicuriens, c'est-à-dire les philosophes, ceux qui exprime des opinions en matière religieuse, qui est synonyme du chrétien, vont en enfer. Leur livre parle du corps des chrétiens pourtant promis, selon notre foi en Jésus-Christ, à la résurrection, comme de cadavres d'animaux. Ainsi, en Yoredea 377.1, les condoléances ne doivent pas être faites à quiconque, servant ou aide de maison d'un goïm, décède. Tout ce qui doit être dit est « Dieu te rende ta perte », comme on dit, d'un âne ou d'une vache. De même, on ne doit pas se tenir loin des chrétiens qui ont enterré quelqu'un pendant 7 jours, comme la loi de Moïse le commande. N'étant pas des hommes, l'enterrement d'un animal ne polluant pas, ne rendant pas impur, ce congé de 7 jours est réputé inutile. Les prêtres des chrétiens, maintenant, sont appelés prêtres de Baal. Les églises sont dites des maisons de mensonges et d'idolâtrie. Les objets du culte, calices, livres saints, icônes, sont considérés comme relevant du culte aux idoles. Et les prières chrétiennes sont regardées comme coupables et offensant Dieu. Ainsi, dans Aboda Zara 14 et également A278, interdiction leur est faite d'entrer dans une église, ni même d'y jeter un œil. Il est interdit également d'écouter la musique des églises, même pas pour leur beauté, telle que interdit en Yoredea 142.15. Pour les talmudistes, les choses sont claires, ils s'accordent tous sur le fait que les livres des chrétiens doivent être tous détruits. Maintenant, je vous propose de nous intéresser aux préceptes du Talmud à l'égard des goïms. Ces prescriptions, par leur tradition, leurs commentateurs compilés dans le Talmud. Comme nous allons le voir, ces préceptes, appris quotidiennement dans leur yeshiva, à certains garçons en âge de lire durant des siècles, a contribué à forger des attitudes. Parmi ces attitudes, on comprend de l'impolitesse et du mépris, de la tromperie, du mensonge, de la malveillance, des abus, du vol, du viol et du meurtre, jusqu'au sacrifice rituel. Un ne doit pas rendre son salut à un chrétien, Yoredea 148.10. Un ne doit pas se rendre devant les juges chrétiens, Shorshen Amishpat 26.1. Un ne peut pas manger la nourriture d'un chrétien, Yoredea 112.1 et Abodazara 35b. Les chrétiens doivent être évités car ils sont impurs, Abodazara 72b. Yoredea 121, parce que ce sont des idolâtres. Aboda Zara 2a, 78c. Il est permis en revanche de les fréquenter s'ils sont incroyants ou athées. Tel que précisé dans Yoedea 148.5 et dans Ikotakun, chapitre 9, paragraphe 2. Il est permis d'envoyer un cadeau à un akoun, lors des fêtes par exemple, si l'on sait qu'il ne croit pas dans les idoles et qu'il ne les adore pas. Les ont interdiction de confier leurs enfants à des nounous chrétiennes, Yoredea 81.7, ni à des professeurs chrétiens, Yoredea 153.1,
Un enfant ne doit pas être confié à un akoun pour apprendre les manières, la littérature ou les arts, car il les conduirait à l'hérésie. Ils ne doivent pas non plus être confiés à un docteur, à un obstétricien ou à un barbier chrétien. Yoredea 155.1, Pesachier 25A, Abodazara 26A. Vous ne devez même pas être coiffé par un akoun, à moins que vos amis soient présents de peur que le coiffeur ne vous égorge. Aucun bien ne doit être fait aux chrétiens, nous dit le Zohar, chapitre 1, paragraphe 25b. Il est dit « Ceux qui font du bien aux akouns ne se lèveront pas de parmi les morts. » C'est-à-dire que la résurrection, à la fin des temps, au moment du jugement, au jour de la résurrection et du jugement dernier, sera retranchée de ceux qui auront fait du bien aux chrétiens. Je ne sais pas, chers amis auditeurs, si vous réalisez le niveau de haine qui est contenu dans ces livres. Il est permis de faire de temps en temps cependant du bien aux chrétiens, mais uniquement pour le bien de la paix et pour dissimuler la haine que nous leur vouons, nous précise Maïmonide dans Ikok Akoum, chapitre 10, verset 6, ou encore dans Yoredea 148.12. Le Talmud commande de faire du tort aux chrétiens. À partir du moment où les goïms servent les comme le firent les bêtes de Somme, ouvrez les guillemets, la vie d'un goï et toutes ses capacités physiques appartiennent à un. Ça, c'est dans A. Roch, dit Polan. Un autre axiome des rabbins, on voit cela précisé dans Baba Bata 54b. Et les biens des goïms sont comme un désert, la première personne à les revendiquer les possède. Un ne doit pas dire à un chrétien qu'il a trop payé, par exemple. Ça, c'est dans Shoshéou et Mishpat 183.7. Un bien perdu par un chrétien ne doit pas lui être rendu. Shoshen à Mishpat 266.1. Les chrétiens doivent être abusés. Baba Koma 113b. Il est permis d'abuser un goy. Ou encore en Shoshen et Mishpat 156.5. La richesse de la koun doit être regardée comme la propriété commune et appartient au premier qui s'en empare. Un doit prétendre qu'il est chrétien pour tromper les chrétiens si cela est possible. Yoredea 157.2. Si un peut tromper les adorateurs d'étoiles en prétendant être l'un d'entre eux, qu'il le fasse. Un a le droit de pratiquer l'usure sur un chrétien. Abodazara 159.1. Il est permis de pratiquer l'usure sur les apostats qui tombent en idolâtrie. Un peut mentir et se parjurer pour perdre un chrétien. Baba Koma 113.A. Le nom de Dieu n'est point profané quand le goy ignore que le a menti. On doit louer, dit encore le Talmud, celui qui peut s'affranchir des ennemis. Rabbin Sheskia demande comment les combattons. Par ruse, tu leur feras la guerre. Citation des Proverbes 24.6. La ruse et les tricheries, dès que cela est possible, on doit les combattre sans relâche jusqu'à restauration de l'ordre. De cette façon, nous aurons la satisfaction de nous libérer de leurs joug et de les dominer. Une chrétienne qui accouche, un chrétien qui est malade ou qui est en grand danger de mort ne doivent pas être secourus. Yoredea 158.1, Oshash Shaim 332, Shosham Ameshpat 425.5, Yoredea 158.1. Les occurrences sont trop nombreuses, je ne fais que vous en donner un catalogue déjà par trop pénible. Retournons à Maïmonide. Il nous dit « N'ayez aucune pitié d'eux ». Enfin, le Talmud commande de tuer les chrétiens sans merci. Abodazara 26b, on lit « Les hérétiques, les traîtres et les apostats doivent être jetés au fond d'un puits et ne pas être secourus. Même un chrétien qui étudie la loi des prophètes mérite la mort. » Sanhédrin 59a. Les juifs qui reçoivent le baptême doivent être tués. Irkitakoum, on doit les poursuivre jusqu'au bout. Chapitre 10, paragraphe 2. Il faut tuer les chrétiens. Zohar 1, 25. Le pape est le plus haï de tous leurs princes. En effet, le but que poursuit le Talmud, c'est la destruction d'Édom. Édom, je vous le disais en début d'émission, c'est Rome. Rabbin David Kimchi écrit dans Obadian. Ce que les prophètes ont annoncé de la destruction d'Édom dans les derniers jours s'adressait à Rome. Comme l'explique Ésaïe chapitre 34.1, « Approchez, nations, pour entendre, lorsque Rome est détruite, Israël sera sauvé. »
Et le rabbin Abraham dit aussi dans Seror à mort, section Shoftim, immédiatement après que Rome soit détruite, nous serons sauvés. Shulchan Aruch, de même que Yoredea 158.1, en temps de guerre, les Akoum, c'est-à-dire les chrétiens, doivent être tués, car il est écrit « Les bons parmi les Akoum doivent périr ». Ou encore « Prends la vie des Kippotes et tue-les et tu plairas à Dieu autant que si tu lui offrais de l'encens ». Dans leur prière, les Juifs prient pour la venue de leur Messie plein de vengeance, spécialement la veille de Pâques. Ainsi est-il écrit « Combien de temps encore retiendras-tu ta force captive et ta beauté sous la main de l'oppresseur, ô Dieu ? Montre ta force et combat nos ennemis, brise leur force et laisse-nous les confondre. » Je vous passe ici tous les épisodes concernant le viol des Akoun, des Minines, des chrétiennes, qui ne sont pas des êtres humains, qui sont des bêtes, et qui sont, bien évidemment, comme le reste, des biens meubles à disposition de leur maître juif. Ainsi, dans Pessachim 49b, il est écrit « Rabbi Eliezer dit « Il est permis de couper la tête d'un idiot, c'est-à-dire d'un goïm, le jour de la fête de la rémission, si ça tombe un samedi. » Ses disciples lui demandèrent « Mais Rabbi, tu devrais plutôt parler de sacrifice. » Mais il a répondu « Pas du tout, car pour un sacrifice, il est nécessaire de faire des prières pendant qu'on sacrifie. Or, il n'y a pas point besoin de prière lorsque l'on coupe la tête de quelqu'un. » Plus loin, il est dit aussi que la mort des chrétiens plaît à Dieu. Après la destruction du temple de Jérusalem, le seul sacrifice nécessaire est l'extermination des goïms. Dans Zohar 3, 227b, le bon pasteur dit « Le seul sacrifice requis est de retirer de nous les impurs. » Dans Zohar 1, 38b et 39a, il est écrit « Dans les palais des quatre paradis se tiennent ceux qui ont pleuré sur Sion et Jérusalem et tous ceux qui ont détruit les nations idolâtres. Et ceux qui ont tué ces gens qui adorent les idoles sont vêtus de pourpre et ainsi ils sont reconnus et honorés. » Dans Ilkot Akoun 10.1, il est écrit « Ne mange pas avec les idolâtres. De même, ne les laisse pas adorer leurs idoles, car il est dit, ne fais pas d'alliance avec eux et ne leur montre aucune pitié, Deutéronome chapitre 7. Mais plutôt, détourne-toi d'eux, de leurs idoles et tue-les. » Également, toujours dans Ikot Akoun 10.7 cette fois, là où se tiennent les Juifs, aucun idolâtre ne doit se tenir debout. Nous reviendrons dans une prochaine émission, si Dieu veut, sur le libelle de sang.